Gilbert m'a dit, viens faire un tour au Comice. Tu verras, ce sera un moment de partage entre toi, citadins et les agriculteurs. Les lieux de rencontre sont rares, alors profites-en. Bon ben très bien, allons-y. La journée commence par le nettoyage et le toilettage des animaux pour une présentation impeccable. Pour ma part, je préfère une méthode de lavage plus douce, mais moins spectaculaire. Ma douche me suffit amplement. Le spectacle des chevaux me ravit toujours. C'est l'occasion de remercier ces fiers représentants d'une agriculture révolue et de conserver la mémoire du passé agricole et de la vie des campagnes. De transport urbain avec de fortes capacités qui peuvent également être mises en place. Si vous souhaitez des informations concernant ce réseau. Le concours de labour. C'est un aspect technique dans lequel je me retrouve. Le monde de la ligne droite et de la profondeur toujours respectée. Les courbes harmonieuses générées par le travail des socs me ravissent. J'aime l'esthétisme du balai des tracteurs qui se croisent, s'enchevêtrent pour mon plus grand bonheur. Mes petites filles, Léna et Juliette, sont présentes ce matin. Elles sont ravies, enthousiasmées par ce monde inconnu. Alors Nanou, elles diront, avec toi Nanou, on voit des choses intéressantes. Le Comice est un terrain de jeu extraordinaire avec les animaux, la mini-ferme, les tours en calèche et les poneys. Elles se jurent de revenir. Encore 3 ans à attendre. Dans le stand Groupama, puisque vous pouviez gagner des bons d'achat. De remercier tous les acteurs de cette journée, parce qu'effectivement, vous l'avez signalé, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur l'événement. Un merci particulier aussi à ceux qui animent notre château médiéval et puis notamment Monsieur le Comte. Mon souci à moi, c'est en tant que président du Comice, c'est d'essayer de mettre les gens en relation. Le drame aura été évité de justesse, d'un poil dira-t-on. Les galettes et saucisses restent introuvables. Une fête sans galettes saucisses en Haute-Bretagne, c'est inconcevable. Ce serait le chaos assuré. On
commence à 11h. Ah oui. Je travaille pour la saucisse. Dans la saucisse, vous avez commencé à 11h? On l'avait pas. Allez. J'étale plus par là. Heureusement, une nouvelle commande verra le jour. Il faudra juste un peu de patience pour déguster la fameuse galette saucisse. Elle n'en sera que meilleure. 50 000 de planches et derrière d'huile. Repas excellent. La préparation faite par les bénévoles est parfaite. Au menu, un gratin fondant et une viande succulente provenant de deux bêtes élevées au lycée agricole. Je vais avoir... Ah, voilà, ça vous va là ? Très bien, merci bien. Salut Michel, ça va ? Impeccable. Oui, après. Vous préparez pour choisir vos animaux pour le prix d'ensemble. La présentation des bêtes est toujours aussi impressionnante. La diversité des espèces bovines est présentée. Sortie des races productivistes, je découvre quelques-unes des 25 races présentes en France. Elles évoquent tout le charme et la variété de nos campagnes. Cela me donne envie de connaître les races en voie de disparition. Mâles aussi, engraissement des mâles. Et viande, donc surtout avec finition des mâles en taurillon. Je pense que pour mon image, vous êtes prêts? T'es prêt? Allez là. Alors ça va, allez. Voilà. Voilà. Très bien. Voir les jeunes avec leurs veaux me ravit. Les enfants sont mis à l'honneur à travers une présentation de veau au public. Regardez, allez, c'est mieux dans le sens ici. Voilà, bien. Franchement, attention aux caméras. Voilà, très bien par ici. Voilà. Ça va passer. Alors, tu t'appelles comment? Iwen. Ta génisse, c'est une génisse de quelle race? Non. Des poules, des sacs. Le commis a toujours été un vecteur essentiel à la diffusion du progrès technique des engins agricoles. L'évolution des tracteurs en est représentative. Il est lourd à porter l'héritage de la mécanisation. Le paysan s'est transformé en ingénieur agricole. Allez, direction.
La mini-ferme a pour ma part un rôle pédagogique et ludique. La place que prend le côté festif est essentielle. Citadins et agriculteurs, jeunes et moins jeunes, s'y côtoient et s'émerveillent. Vous attendez. Et là, on félicite. C'est bien. On est à peu près à 1200 de. Incontournable dès la fin du 19e siècle, le commis était le temps fort de l'année pour échanger les expériences, s'informer sur le matériel, passer un bon moment entre collègues. L'esprit de retrouvailles est toujours le même aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour deux populations qui souvent s'ignorent, les citadins et les cultivateurs, de se rencontrer, d'échanger. Voilà ce qui me donne envie de revenir.